les gens disent K. Là, c'est pas pour Dieu, c'est pas pour lui, c'est K. Un tonnerre d'applaudissements pour lui. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes au courant que le camp sera maintenant c'est Gogo. Désolé, c'était pas une vanne, c'était une information. Elle dit maintenant tu passes ta commande et on te livre en moto. Maintenant pour ceux qui ne connaissent pas le canto, après le spectacle, allez sur Google. Vous tapez le canto, L-O-C-A-N-T-O, site des rencontres ivoiriens. Sinon, bonsoir. Bonsoir. Vous aimez le spectacle? Ouais. Cool. Pas fatigué? Non. Ok, c'est bien. Vous êtes d'accord avec moi que le respect a carrément disparu? On peut dire ça. Il n'y a plus de respect. Ouais. Les choses ont changé. Ouais. Allez, l'être humain n'est plus ce qu'il est au fait. Prenons le cas de la femme. C'est juste un sketch. Il n'y a rien contre la femme. Prenons le cas de la femme sur toute la nouvelle génération, les jeunes filles. C'est quoi votre problème? Allez, toi ma chérie, tu es censée être ma chérie, me rendre heureux, me doloter, me chérir, tu vois, mais les trucs doux, tu vois, je dois être heureux, je dois me sentir bien. Et tu attends qu'on soit sous le drap pour lâcher. Un endroit où l'air ne sort pas, l'air ne rentre pas. Bon, les choses ont changé, je l'ai dit. Donc, pour moi, peut-être c'est une nouvelle forme de preuve d'amour, peut-être voilà. Elle va dire à sa copine, on est complice, il n'a pas honte de moi, j'ai pas honte de lui. Il n'y a pas de problème. Bébé, tu veux lâcher? Lâche. Tu veux chier? Chie. Mais s'il te plaît, mange normalement. Parce que tu ne peux pas finir de manger de l'haricot avec 12 œufs préparés, avec piment en poudre et venir te comporter comme ça. Tu veux rompre avec moi, dis-moi, Jean-Luc, je ne veux plus de toi. Mais tu ne veux pas venir m'empoisonner, c'est là. C'est quoi le projet au fait? On a tous vu la vidéo du couple qui flirtait et puis la fille après une poussière à lâcher. C'est toi qui a vu la vidéo sur Facebook pendant qu'il flirtait après une poussière à lâcher. Repasser l'image. Mais cette fois-ci, imaginez que c'est sous un drap. Avec une fille qui mange n'importe quoi. N'importe où. N'importe comment. Il a où le respect? Non, dites-moi, il a où le respect? Allô, canto. Après le spectacle, il va aller sur le canto. Prenons le cas maintenant de nos soeurs côté cuisine. Ouais. Hein? Je suis fier de vous. Allez, vous savez faire la cuisine, c'est étonnant. Allez, c'est à féliciter au fait. La nouvelle génération s'est préparée. Moi, je l'avoue, je suis fier de vous. Mais à un moment donné, arrêtez avec les grillades. Arrêtez. Tu rentres le soir, poulet pané. Poisson pané. Pop pané. Faites des sauces souvent. Mais, c'est sauce qu'on peut manger sur 2 jours, 3 jours. Ou bien recoucher là, ça ne vous concerne pas aussi. Vous n'avez pas envie de revivre l'histoire de recoucher avec sauce graine. Ouais. Allez, oh non, ça m'a mais non. Oui, mais recoucher, poulet pané à recoucher. De façon coucher, arrêtez ça. J'ai demandé à ma copine de faire sauce gombo de 3 jours. C'est qu'elle a lâché là. Oui. Par magie, elle a réussi la sauce. Oui, elle a même fait mieux, elle a fait sauce d'une semaine. Et toi, tu te demandes de faire sauce de 3 jours. Tu fais une semaine. Et toi, tu te demandes pour une semaine. Peut-être un an même. Ça ne me dérange pas. Je lui ai dit, les choses ont changé. Bon, même si elle m'a montré son petit côté à Nîmes, fais ta sauce une semaine, un mois, moi ça ne me dérange pas. Mais ce qui est inquiétant, c'est côté conservation. Voilà. Parce que c'est nos moments qui avaient ce secret-là. Nos moments pouvaient conserver une sauce 1 an, 2 ans. Ma mère le faisait. Ma mère le faisait, c'est mon siège.
Oui. Ma copine, elle avait une technique très spéciale. C'est laquelle copine d'ailleurs? Celle qui lâche. Bonne arrivée. On arrive. Merci. Vous mettez devant. Lui, il est derrière. C'est qui c'est? Tous ceux qui sont devant. Savent. Ah, non, madame, entendre ici. Tous ceux qui sont devant savent. Elle avait une technique spéciale. Et je sais que c'est pas sa maman qui lui a appris ça. Elle dit, matin au réveil, elle chauffe la force. À midi avant de manger, elle chauffe. Le soir avant de manger. Le soir avant de dormir. Et tout ça au micro-ondes. Elle dit sauce gombo, là, mais n'est plus sauce gombo. C'est devenu sauce sucre. On reste toujours de ce côté, les choses qu'on change. Prenons les nouvelles rencontres, les premiers rencontres. Quels sont les sujets qu'on aborde souvent les... Le travail. Travail. Tu fais quoi dans la vie? Oui. Quelqu'un d'autre? Tu aimes quoi? Oui. Qu'est-ce que tu écoutes? Ça, c'est pour les enfants de Cocody. Tu vis seul? Tu viens quand me voir? Ça, c'est pour nous. Tu viens quand me voir? Mais pourquoi vous prenez jamais la peine de demander si l'autre a une maladie? Jamais. Est-ce que vous êtes là à demander? Jamais. Premier encas. Imaginez un couple où monsieur et madame sont asthmatiques. Non. Allons doucement. Ne riez pas d'abord. Ne riez pas. Allons doucement. 4 secondes. On ferme les yeux. On imagine. 4 secondes. On ferme les yeux. 4 secondes. Un couple asthmatique où monsieur et madame piquent leur crise au même moment dans une pièce fermée. Imaginez. Tu vas trouver le. Normalement, ça donne ta cible et ton bas. Je l'ai dit, les choses ont changé. Venons un peu vers le bas. Un peu vers le bas, nous faisons un petit détail. Attention, j'ai rien contre les filles, écoute, je suis même un boulot. Sinon, conseil, puis. Mais c'est un détail. Vous avez quoi à vouloir sortir avec un mec qui fait 7 fois votre taille? Vous fumez quoi? Vous mangez quoi? Madame, s'il vous plaît, venez. Non, vous n'allez pas parler, venez, s'il vous plaît. Mettez votre coude sur mon épaule, s'il vous plaît. Votre coude sur mon épaule. J'ai un peu de romance à fond. Voilà, comme ça. On sent la romance. On sent la romance. C'est ça qu'on appelle accroche-toi. Ton agout, ta mère a dit. C'est pas grave, vous êtes très belle. Vous avez laissé. Non, mais moi, je vous vois, c'est un point d'œuvre. Le monsieur qui est venu, ça vous permet un point d'œuvre. On est très vrai, non? Non, célibatiste. Célibatiste. Pas célibatiste. Allez, vous asseoir. Vous avez quel problème? Le gars fait 4m7. Toi-même, tu fais les 7. C'est à quel moment ta mère va arriver sa hanche? Pour dire ton épaule. Et attends à distance. Avant d'aller demander, vous fumez quoi? Et puis, bizarrement, forcément, ils ont bouche. Tu la vois pas, mais tu l'entends. Tu peux rien faire. Bon, normalement, ça donne ça. Tu peux rien faire. Mais Yacouba, évitez. Arrêtez. Bon, à un moment, il faut arrêter. Quand je regarde ça et que je vois que les choses ont vraiment changé, je me dis que bon, peut-être une nouvelle forme de suicide. Oh, tu veux mourir, meurs. Il ne mange pas chez toi. Mais, garçon, ce qui dit qu'il serait femme à Poutou Pro Max, c'est quoi le projet? C'est quoi le projet? La fille fait 7 fois ton poids. 1, tu ne peux pas la soulever. 2, elle ne peut pas s'asseoir sur toi. Tu fais comment?
Après, le petit te bouge en haut. Tiens, sketch. S'il vous plaît. Madame, non. Est-ce qu'elle peut faire ça? Pas le fort. Et il n'a même pas tourné un lit. Matelas ouais. Parce que chaque fois, il va chercher son lit. Bon, quand je regarde ça, je me dis peut-être que pour lui, c'est plus du suicide, au fait. Parce que quand je regarde grimper, ma carrière, le fait que commencer, elle n'est pas bien. Et quand je regarde grimper, et que je vois Docteur Yao, je me dis que là, la mort est déjà là, ou pas? Ouais. C'est une question de temps. Vous êtes d'accord avec moi que le temps va changer? Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Ouais. Merci, c'était Jean-Luc Tap. On va rester comme ça, on a plus de jour, hein, avec plus d'énergie, plus de prochaines personnes. On va continuer comme ça aujourd'hui. Recevez ici un coup. Le premier duo ivoirien qui fait du scandale. Recevez Miri et James.